peut faire tout. Pas n'importe quoi, on peut faire tout. Les gens intelligents qui ont pas peur de la sont toujours des dangers pour une société établie avec des systèmes psychologiques. C'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, c'est une chose qui me préoccupe depuis un certain temps, c'est le fait de savoir, de me rendre compte, combien il est difficile de se suicider. Oui, oui. Réfléchissez. Petit nombre de moyens de suicide que nous avons à disposition. Tous du dégoûtant des explosions. Le gaz, la réfère de cuite chez les voisins. La pendaison, qui est même désagréable pour la fin du ménage. Se jeter par la fenêtre, ce qui s'agit de toi, qui est un tas de choses. Et en fait, bon, deuxièmement, si vous réfléchissez que le suicide est tout de même toujours considéré de la façon la plus négative. Non seulement parce qu'on considère que c'est pas bien de se suicider, mais parce qu'on considère que si quelqu'un s'est suicidé, c'est parce que vraiment ça allait mal. Ou ça allait mal dans sa tête, ou ça allait mal dans ses... C'est tellement étrange la chose que vous dites, parce que j'ai eu un discours avec Alberto, c'est une costumière et amie à moi avec laquelle je travaille depuis 5 ans. Et comme on a eu deux amis qui se sont suicidés, et donc... Je dis, moi, je comprends pas une chose. Si quelqu'un est vraiment déprimé, il n'a pas la force de se suicider. Moi, je pourrais seulement me suicider dans un état de grâce, vraiment. Dans un état de plaisir extrême, mais pas du tout en dépression, oui, parce que je trouve... Regarde, Jean Eustache, il était très très bien les quelques jours avant de se suicider. Il n'avait jamais été aussi bien depuis longtemps. Et tous les gens qui l'ont eu au téléphone la semaine qui a précédé son suicide, tout le monde disait... Mais, je ne l'avais pas vu aussi bien depuis très longtemps. Il s'était suicidé au moins une vingtaine de fois avant, à chaque fois il se ratait. Cette fois-ci, il avait vraiment choisi le moyen pour ne pas se rater. Mais comme vous avez dit, comment se suicider sans donner... Voilà, alors, exactement. Vous citez c'est vous prenez la porte immédiatement sur la droite, là, c'est le couloir derrière la bibliothèque que vous voyez. Oui, là, je suis sûr que ce genre de stache qui est mort... s'est suicidé alors que une forme, je suis sûr que tous les gens ont dit, on ne comprend pas. Oui, absolument pas. Il allait tellement bien. Parce qu'en effet, on ne peut pas admettre que quelqu'un se suicide parce que ça m'a dit. Moi, je serais tout à fait partisan d'un véritable combat culturel pour réapprendre aux gens qu'il n'y a pas une conduite qui soit plus belle, qui par conséquent mérite d'être réfléchie avec plus d'attention que le suicide. Il faudrait travailler, j'en suis ici, sa vie. Vous connaissez le livre d'Amérique, écrit ça ? Amérique, non. C'est une auteure allemande, huguenote, qui écrit un livre sur le suicide, qui propose les mêmes idées, pratiquement les mêmes. Ah bon ? Quand est-ce qu'il a écrit ça ? C'est un très beau livre, et lui, il s'est suicidé. Quand est-ce qu'il a écrit ça ? Peut-être 3 ans, 4 ans. Ah bon ? Moi, déjà, je savais. Donc, c'est un combattant avec nous. C'est vrai d'ailleurs, parce que c'est la culpabilisation. Déjà, oui, mais déjà la maladie. Si vous êtes malade, vous avez tort de montrer votre maladie. Dans notre culture, j'ai vécu dans les pays comme, africains et des pays comme aux Indes, j'ai vu que les gens ne se gênent pas du tout de proposer leur état à la société. Même un lépreux, il n'a pas tort de se montrer. Chez nous, même dès qu'on rentre dans un état malade, il faut vraiment avoir peur. Il faut vraiment avoir peur parce qu'ici, dès que tu es malade, tu ne peux pas vivre. C'est ridicule. Si la maladie ne ferait pas partie de la vie, c'est incroyable. Et donc, c'est pour ça que je rejette tellement le système psychologique. Que je connais très peu de gens qui peuvent exprimer quelque chose qui pourrait m'intéresser comme vous, par exemple. Parce que la psychologie, j'ai une relation tellement schizoïde avec la psychologie, parce que c'est tellement, pour moi, c'est banal. Pour moi, c'est pas important pourquoi je lève maintenant le briquet et le paquet de cigarettes. Pour moi, c'est important que je le lève, que j'ai envie de... C'est ça. Ça donne pour moi, en fait, ma dignité, de inter-social interaction. Pas que peut-être parce que quand à 5 ans, ma mère a trop fumé et maintenant moi je. Tu vois, mais c'est vous savez, je crois que c'est ça un des grands points de choix
qu'on a maintenant par rapport à la société occidentale, nous a appris depuis 20 siècles bientôt, qu'on ne peut rien faire de soi-même si on ne connaît pas la vérité sur soi-même. Bon, la confession chrétienne, c'est ça. Ça a commencé à son état. Donc la vérité sur soi-même est absolument condition d'existence. Alors que vous avez des sociétés, je crois qu'on pourrait parfaitement imaginer une société future dans laquelle on ne problème absolument pas la vérité de ce qu'on est, qui n'a pas de sens. Mais la seule chose, c'est quel est l'art que l'on va mettre en œuvre pour faire ce qu'on fait, pour être ce qu'on est. Un art de soi-même, qui serait tout à fait le contraire de la vérité de soi-même. On cherche une définition de la vérité de soi-même. Se faire de son être un objet d'art. Donc faire son être comme objet d'art, c'est ça qui vaut la peine. Moi, je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est pas ça. Mais moi, je veux bien lire cette phrase-là que j'ai beaucoup aimée. C'est quel livre avec le visage? On va à la fin là, du mot et des choses. Les choses qui vont s'effacer. Dans le contexte, je veux dire, c'était très beau pour moi. Parce que moi aussi, tu vois, pour ça, je suis jamais fâché avec quelqu'un. Je comprends pas le système psychologique du comportement bourgeois. Ça veut dire, disons-nous, il y a quelqu'un qui se trouve dans un conflit très fort, disons-nous, entre... Il m'a donné la promesse de jouer dans un film que je peux faire. Il avait aussi donné une promesse à quelqu'un d'autre, tu vois. Le système bourgeois, c'est de jouer un contre l'autre et tout ça. Moi, j'ai jamais eu de relation avec ça comme sentiment, profondément jamais. Je comprends pas la psychologie bourgeoise, absolument pas. Ça veut dire aussi, je peux être enragé avec quelqu'un jusqu'à tomber de rage, et deux jours après, je propose un comportement complètement rétabli. Je parle pas des situations amoureuses ou passionnées. Ça, de toute façon, là, on fait toujours l'essai. Mais je veux dire aussi dans les situations les plus quotidiennes. Tu comprends ce que je veux dire? Les plus quotidiens. Jamais je peux rallonger mes extrémités dans un sentiment porté statiquement. Parce que je suis chaque jour un autre. Chaque jour. Et de toute façon, la psychologie bourgeoise, pour moi, c'est toujours un mystère. Je trouve que toute la vie de Freud était ratée pour ça. Parce qu'il a essayer. Et à la fin, il était seulement heureux quand il a pris beaucoup de cocaïne, quand il a vu sa femme. De temps en temps, il était très ravi de ça. Mais quand même, il nous a construit sur nos têtes un système tellement fatal qui est utilisable par toute société occidentale. Non, mais c'est... J'ai jamais compris ça. Pour exemple, moi, je me souviens, ma mère, qui a eu une relation, d'abord, très possessive avec moi. Possessive, pour moi, c'est une parole littéraire ou humaine. C'est pas une parole psychologique. Donc, très possessive. Et même à l'âge, quand je suis rentré, justement, de Willow Springs, tournage du film, après le vol de Los Angeles à Francfort, j'étais très, très fatigué. Donc, elle a proposé de me laver. Et, non, mais je savais, ça lui fait plaisir, évidemment. Et donc, elle m'a mis dans le baignoir. Moi, j'étais dans le baignoir, en m'endormant de fatigue, après le vol. Et donc, elle m'a mis, elle m'a lavé. Et donc, à un certain moment donné, j'ai commencé à pisser. Tu vois, tu peux t'imaginer, une mère de 60 ans, le fils de 37 ans, ou quoi. Pour moi, c'était... Et une glace en face, tu vois. Le miroir. Tout ça, va. Moi, j'ai tellement rié, c'est tellement drôle, ça m'est venu comme ça, tu vois. De toute façon, je pisse toujours dans les baignoires. Mais c'était tellement comique, parce qu'elle a dit pourquoi. Et je dis pourquoi pas, de toute façon. C'est la seule réponse. Pourquoi pas? C'est vrai ou pas? Pourquoi pas?
Non, parce qu'il y a une relation très fraternelle ou très hors inceste, parce que j'ai jamais eu de relation imaginaire érotique avec moi-même, mais je l'ai pris comme un copain. Donc la psychologie, je ne vais pas demander chez Freud ce que ça veut dire, un fils de 27 ans qui pisse dans le baignoire, et la mère qui est pissée dessus et tout, tu vois, donc je ne sais pas. Pour moi, c'était jamais. Ça m'a jamais proposé des problèmes. Seulement, mettant à une table, prenant des livres, et lire sur mon comportement dans le contexte de la psychologie bourgeoise. Je crois que c'est vraiment une force meurtrière. De penser trop, de réfléchir sur l'identité au lieu de l'être. Au lieu d'être de l'identité, non? C'est pour ça qu'on a tellement envie d'être bien dans sa peau. Pour pas demander pourquoi j'ai fait ça. Je pense qu'on a besoin d'identité. C'est le moment où vous cherchez à vous donner, vous donnez la psychologie, mais vous la donnez comme objectif. Vous êtes donc un très grand romantique. Non, je oui, sans moi. Je ne sais pas. Le Deutsche Zimmer. Yeah, la passion est un Deutsche romantique. Absolument. Oui. Comme Novalis, qui a écrit cet adorable poème que j'adore. Welcher lebendige Sinn begabte Liebe nicht vor allen verbreiteten Wundererscheinungen des Raums, les élégies pour la nuit. Il explique pourquoi il préfère la nuit et pas la journée. Tellement beau, ça c'est le romantisme allemand. Ne pas romantisme, Deutsche Romantik, c'est ça. Et Théa Hoffmann, c'est beau aussi. Et moi j'adore toujours les gens qui comme Théa Hoffmann, qui a fait des compositions de musique, qui était le plus grand buveur de son siècle, qui a écrit de la littérature, qui était employé dans son bureau de la ville de Bamberg en Allemagne, c'est toujours très fascinant, on voit une vie tellement complexe. Mais là, c'était pas le problème d'identité. Si lui a eu envie d'écrire une chose d'horreur, il a écrit son jeu. Et j'en suis certain, c'était sans intérêt pour lui de savoir pourquoi, à propos d'une relation, d'une mère, d'une femme, du ciel, d'une madone, il a écrit ça. C'est un romantique pour moi, ça. Le sentiment, je m'exprime très très mal aujourd'hui, mais ça fait rien. Mais de toute façon, pour moi, vous êtes très romantique. Romantique, pas romantique, comme le romanteur. Deutsche Romantik n'existait pas en France ni en Italie. Donc c'est autre chose. Mais vous êtes romantique. La passion des 18 ans, le refus de la psychologie traditionnelle, vous êtes romantique. Mais moi aussi, moi j'ai même pas l'intellectualité de M. Foucault. Moi je suis, en plus je suis bunga bunga et stupide, c'est pire à vivre, sans avoir les paroles comme ça. Non, c'est vrai. Je crois que c'est ça. Imagine-toi Wagner qui a composé un opéra comme Lohengrin. Donc, quand j'avais fait la mise en scène l'année dernière en Allemagne, J'avais fait la mise en scène pour l'année. Et on m'avait demandé, donc, vous avez une idée, une chose, et je dis, la seule chose que je peux dire, la musique est extrêmement belle, et c'est une musique romantique, un peu forcée, parce que Wagner, il a eu déjà la conscience du siècle industriel, mais c'est une musique romantique allemande, très très belle, et je ne veux pas vous faire le plaisir de jouer le petit diable pour dénoncer la musique, l'œuvre de Wagner. Hein, parce que je trouve ça complètement accompli, une très très belle musique, comme pour les enfants. Donc je fais une mise en scène avec Lohengrin, comme pour les enfants. Comme une fairy tale, Märchen. Et j'ai travaillé pendant la mise en scène uniquement avec le chef d'orchestre pour rendre la musique la plus belle possible. Donc ils ont dit, mes copains là, de l'extrême gauche de Berlin, ils ont dit comment ça se peut faire. Et je dis, mais vous êtes complètement idiot.
Parce que je suis pas comme Chéreau qui fait des siglindes avec des robes de soie et des machines de l'industrie dans l'anneau des Nibelungs pour dénoncer Wagner comme quelqu'un qui prévoit déjà le Troisième Reich. Quoi. Moi, je vois pas du tout ça. Moi, je vois. C'est pour ça que j'aime pas Patrick Chéreau. Parce que c'est tellement... Je crois pas que c'est ce qu'il a voulu faire. Daniel aussi, il aime beaucoup Patrick Chéreau. Moi, je le connais très peu personnellement, j'ai vu deux fois, mais je connais quelques mises en scène. J'ai beaucoup aimé sa mise en scène de Loulou en Italie, avec Alida Valli et Valentina Cortese, ça doit faire 7 ans, 8 ans à peu près. Mais son travail à Bayreuth, j'aime pas du tout, parce que c'est dans la même... Ça porte la même idée de dénoncement bourgeois que je trouve complètement ridicule. Il faut stupéfier le public avec une autre vision de Wagner. Si mais alors, là, si vous voulez, je ne crois pas que Chéreau ait voulu faire aucunement une dénonciation. Que, de fait, étant donné toute une série d'interprétations de Wagner qui étaient courées, qui ont couru, c'est comme ça que ça a été lu, c'est possible. Je ne crois pas du tout que c'était son intention, il n'y a absolument aucune dénonciation. Et c'est pas juste, c'est ça peut-être ce qui m'a le plus fort chez Chéreau, c'est que c'est pas parce qu'il fait apparaître en effet des lieux industriels, etc., qu'il y a quelque chose de dénonciatif. Et dire que c'est présent chez Wagner, qu'il y a des éléments de cette réalité-là qui sont présents chez Wagner, c'est pas faire une dénonciation. C'est pas une critique simpliste, regardez, la vérité de Wagner, c'est ce qui est toujours. Enfin, voilà moi ce que je dirais à propos de Chéreau et de ces éléments-là. Mais ceci dit, oui, que comment vous avez fait de l'OMD ? Mise en scène pour moi. Mise en scène pour moi. Enfin, c'est moi qui dis ça. Moi j'ai vu la vidéo. Donc il faut dire, moi je travaille toujours avec les ambiances. Donc le théâtre où j'avais fait la mise en scène est une ambiance musicale d'abord, parce que scéniquement, ils ne savent pas faire grand-chose. J'ai fait tout en fonction des acteurs, des chanteurs. Ça veut dire, si j'ai une chanteuse énorme, je n'essaie pas de la camoufler, de faire une silhouette noire sur un vêtement blanc, sur un costume blanc. Et je travaille toujours avec les gens avec lesquels je travaille. Ça veut dire, pour moi, par exemple, Elsa, c'est une femme énorme américaine, une chanteuse américaine. J'ai commencé à parler avec elle pour savoir qu'est-ce qu'elle pense de Elsa. Parce que de toute façon, c'est pas intéressant que moi je me rends visible dans une mise en scène avec une centaine de choristes et de soloistes. C'est plus important de rendre visible ça que eux peuvent faire sur scène. Eux. Avec leur body, tête et tout. Et donc, la construction était comme ça que Elsa, Einsam in trüben Tagen, au premier acte, quand elle est accusée d'avoir assassiné, quand elle raconte ses visions, je fais ça comme vision collective, donc comme si elle, avec sa vision, faisait partie d'un collectif amoureux, passionné, je sais pas comment est-ce que... Tout ça d'une façon très primitive, comme au Casper Théâtre allemand, théâtre de marionnettes, sur le ciel avec 1000 étoiles illuminées, et tout sur une pyramide d'or, avec des costumes byzantines, très... Et donc Lohengrin était finalement comme les bébés nés du désir de la foule et d'elle. Donc c'était seulement à la fin, quand Lohengrin se rend visible comme être masculin et avec la grâce assez longue, on réalise que c'est quelqu'un réel, c'est quelqu'un qui est là, c'est pas une vision collective. Et à ce moment-là, Elsa s'assassine et l'autre, qui porte la vieille culture, Ortrud, triomphe. Pour moi, Ortrud, c'était la femme la plus vitale, le personnage vital de la pièce, Ortrud. Qui à la fin se limite. Elle est vraiment fantastique, la chanteuse qui a chanté la Rose Wagemann. Elle est vraiment fantastique. Et c'était comme pour les enfants, oui. Des contes de frères Grimm. Oui.
Et surtout, je me suis chargé beaucoup de rendre possible ma vision musicale de la musique avec le chef d'orchestre. Parce que je trouve toujours c'est mal fait, je trouve que je pas du tout de coulisses, c'est bon, chef d'orchestre pour Wagner, ni Fort Wengler, ni Scholti. Je trouve que c'est une musique qu'il faut pas attaquer d'une façon beaucoup plus ingénieuse, beaucoup plus naïve. J'adore quand Boulez dirige Wagner, mais c'est pas du tout ça que moi je vois dans la musique. Je crois toujours que les interprètes, ils ont tellement honte de rater le génie, que finalement, ils ratent tout. J'ai toujours le sentiment, ils ont peur de pas rendre la plus grande qualité à un chef d'œuvre. C'est toujours faux pour moi. Il faut l'attaquer. Parce que Wagner, c'était quelqu'un comme tout le monde. Quelqu'un avec beaucoup de talent, avec une idée et tout. Mais il faut pas commencer à penser, il faut pas commencer avec le respect. Il faut respecter la qualité, mais pas le génie derrière. Donc, mon Wagner était très musicante, je peux ma musique viennoise. J'ai rien changé, c'était la première fois d'abord. Qui dirigeait? Chef d'orchestre anglais, James Lockhart. Qui était le mari, qui est encore le mari de la chanteuse de Margaret Price. Il a très bien fait. C'est pas un génie, lui, mais il a très bien fait. Ingrid? Non, tu te souviens pas, c'était super. Ingrid, elle a vu le vidéo à Paris. Elle était tellement... C'est tellement musicante, tellement primitivement bien. J'aime pas le luxe, là, et j'aime pas Barbara. Quand vous avez fait Maria Macron, vous avez d'abord pensé à la musique? Quand j'avais fait Maria Malibran, j'avais pensé au suicide, j'avais pensé aux gens que j'aime. Merci. Que j'aime, donc, non. Quand j'avais beaucoup de passion, j'étais tellement amoureux toujours de Maria Callas. J'avais lu un livre espagnol sur Maria Malibran. Oui, passion. Maria Callas. Non, mais ça c'est mon destin, Maria. Et j'avais pris notice de la mort de Janis Joplin, que j'aimais beaucoup, et de Jimi Hendrix. Voilà, donc c'était une création comme ça, poétique, avec ça dans la tête et dans le corps. Non, Maria Callas, c'était pour moi ma vision érotique de mon enfance. Toujours. Dans mes rêves de 14 ans, de 15 ans, en puberté, je veux la Maria Callas pisser aux chiottes et moi je regardais. Déjà, tu vois, c'est toujours en dehors de l'image et du respect que et de l'amitié que j'ai eu pour cette personne extraordinaire. C'était aussi dans les sous-sols de mon corps, tu vois, que ça fonctionnait là, comme enfant déjà. Pour moi, c'était la femme érotique, Maria Callas. C'est pas vrai. Vraiment, à 14-15 ans, je me souviens d'un rêve que j'avais raconté à ma mère, qui était effrayée, tout d'abord. Je vois Callas dans une chiotte, au bout d'un couloir, qui pisse, et moi je regarde, je suis ravi. Voilà. Non, mais c'est la passion. Callas, c'est la passion totale. C'était la passion totale. Mais est-ce que cet article est traduit, là, sur la mort de Maria Callas? Ah. Moi, je vraiment, c'était une passion de ma vie. Unique femme, complète. En dehors de ça, les garçons. Mais, étrangement, elle m'a jamais fait peur. Je me souviens d'un discours que j'ai eu avec Maria Callas à Paris en 76, où elle m'a dit qu'elle a tellement, qu'elle ne connaît que des gens qui ont peur d'elle. Moi je dis, je ne comprends pas comment on peut avoir peur de toi. C'est absolument vrai. Seulement parce que c'est une personne qui existait, sans se demander pourquoi. Peut-être que c'est ça, nous. Une personne qui bougeait, qui était là, mais extrêmement gentille. C'était comme une petite fille grecque-américaine, c'était vraiment à l'âge de 50 ans la même chose. Qui cherchait l'amour, et je l'avais proposé d'ailleurs. Et donc je dis,
Comme ça, je peux proposer à François de publier un article. Maria Callas, elle cherche un homme. Elle a tellement rié. Je lui dis, mais tu vas voir, il y a une centaine de personnes qui vont arriver. Oh, une centaine. Des milliers. Des milliers. Non, mais elle m'a dit ça, que même se retrouver des élèves, parce qu'elle avait fait la professeure à Los Angeles, à New York et à Philadelphie, Juilliard School à l'école de musique de Philadelphie. Donc, elle était professeure des élèves très jeunes, et elle a dit, ça ne peut pas fonctionner. Je dois avoir des gens qui comprennent déjà beaucoup, et donc moi je peux un peu réchauffer la chose, c'est tout. Mais elle a dit, les gens ont tellement peur, ils ne viennent pas. Elle a fait une vie solitaire totale. C'est tellement dommage, parce que c'était une personne tellement sympathique, en dehors de son génie extrême. Mais je ne veux plus être à bavarder. C'est à moi, c'est lui qui doit faire. Non, je l'ai, il a tout dit. Non, mais comme avec les patients, c'est comme ça. Moi, ça me suffit de lire deux pages d'un livre pour savoir si ça m'intéresse ou pas, par exemple. Donc, si ça m'intéresse, j'essaie de lire tous les livres. Si ça m'intéresse pas, je laisse à part. Et si ça m'intéresse, c'est toujours un sentiment très fort, comme avec Maria Callas, comme avec Laline, comme avec des choses que j'aime beaucoup. C'est toujours pas... Non, c'est pas que j'aime beaucoup, c'est la passion. C'est toujours une passion. Passion. Non, pas obsession. Obsession, je vois très froide, clairienne, obsession. Alors Willow Springs, c'était pas, je ne vois pas en quoi c'était des obsessions. Qu'est-ce qui fait que les trois femmes sont ensemble? On était là, c'est tout. C'est tout. Ils se sont trouvés ensemble. C'est tout. Et avec cette situation, le sujet s'est développé. Ce qui, la distribution entre les trois, c'est-à-dire l'une qui fait la servante, l'autre qui fait une maîtresse, puis la fille entre les deux, c'est également le hasard. Aussi, c'était le reflet de la situation telle que je l'avais ressentie toujours entre les trois femmes, parce que j'avais travaillé avec Magdalena, Christina et Hila depuis 3 ans déjà. Mais d'une façon poétique, je veux dire, mais profondément, une utilisait toujours l'aspect de sa laideur, donc la servante. Moi, je suis laide. Dans la vie, déjà. Et l'autre, glacialement belle, Christina Kaufmann, quand même très amicale. Et la troisième, très dépressive, avec beaucoup de chagrin dans sa tête, mais très dominante, donc la cadena. Donc la situation a été créée, là, dans un endroit politique incroyable, parce que c'était vraiment l'obsession totale facho-américain. C'était un village privé qui est tenu par ce monsieur Nelson, qui veut les nazis américains et tout. Hein. Non, c'était terrifiant comme endroit. Et donc là, tous les trois autour du fou, mais quand même avec toutes les tensions, c'est quand même sténogramme réaliste entre les trois. Comme moi, j'ai toujours dit, je travaillais avec une dizaine de personnes depuis 12 ans, et entre cette groupe, il n'y a pratiquement pas d'intérêt d'une à l'autre. Pour moi, c'est une chose absolument fascinante et inimaginable que pendant toutes ces années, il n'y a vraiment pas un intérêt très profond entre, disons-nous, Magdalena et Christina, Christina et Ingrid Taven, Ingrid Taven et Christina, etc. Il y a un intérêt vital entre Magdalena et Ingrid Taven. Les deux, elles s'aiment beaucoup, c'est une chose qui fonctionne bien. Mais normalement, c'est très rare, il n'y a pas du tout ça.
Donc le vide est énorme. S'il n'y a pas le metteur en scène ou le type qui est à l'origine de l'affaire, entre eux, il n'y a pas de communication vitale. Je veux dire, pas de nécessité de communication, pas de désir de communication. C'est ça qui m'a frappé toujours. Comme ça, on peut jamais faire un groupe de gens. Ça va jamais fonctionner. Si la structure est toujours là, les types là qu'on déteste, mais quand même on aime bien, qu'il faut nous dire comment il faut faire, c'est très étrange. La groupe, c'est une... voter depuis 18 ans avec la passion pour une personne. Voilà. Nous, je vais dire, normalement, déjà une personne, c'est trop demandé d'avoir la passion pour une personne. C'est déjà pas faisable. Qu'est-ce que tu veux? Je demande trop. Mais vous avez vu le film Napoléon, René de Napoli? Oui. Là, les mêmes effets sont moins visibles. Beaucoup moins. C'est surtout la deuxième fois que je me suis aperçu en fait que c'était un peu la même chose que les autres. Oui, moi je crois que c'est la même chose parce que là, si vous voulez, bon, je l'ai fait exprès, aussi, c'est la référence au cinéma italien d'après-guerre est si forte, si présente. Qu'on ne peut pas s'empêcher de chercher quel est le film que vous faites sur le film. Alors, on recherche le jeu, le non, mais c'est ça que tout le monde m'a dit, c'est pas du tout vrai. Non, mais Bernard, oui, alors, oui, je suppose que c'est pas ça que vous avez... Maintenant que je vous connais un peu, je me dis que ça ne doit pas du tout être ça. Mais c'est comme ça que, si vous voulez, la question qu'on pose au film, c'est de dire ah, quel est son rapport au cinéma italien. Non, c'est le mystère alors, des cathédrales. Ah bon, mais racontez ça. Du Canelli, non. Non. Le film était créé d'une façon complètement sans référence du tout au cinéma italien. Parce que moi, par exemple, j'avais pas vu les films de Rossellini ni rien comme ça. Non, mais c'est normal, c'est le lieu qui... C'est ça, c'est ce que je veux dire. Et comme j'ai travaillé avec les gens qui venaient de Naples, la plupart des gens étaient napolitains, comme j'avais passé quelques moments à l'école à Naples, comme j'aime beaucoup cette ville, qui m'est très près, très proche, et je crois que le style du film vient du lieu. Parce que j'ai eu aucune référence intellectuelle pour construire le film. Aucune. En dehors de mes collaborateurs, ça veut dire donc l'expression des Napolitains, elle est différente et colorée d'une autre façon que l'expression allemande ou française ou anglaise. Mais c'est pour moi, le film n'a aucune référence parce que moi, j'avais pas connu très bien le cinéma de l'époque. C'est sans aucune référence intellectuelle sophistiquée comme forme. Moi j'étais très malheureux même avec la forme, finalement j'aime bien parce que c'est quand on commence une chose, on la casse, on met une annonce complètement ridicule, donc il y a trois morts de poliomyélite à Naples, après on recommence avec deux ans plus tard. Je veux dire, c'était trouvé comme ça. C'était trouvé comme ça pendant le travail. Moi je pense que je voudrais ajouter ce que vous avez fait. Si tu fais un film à Naples, c'est un film complètement à la politique, tu as fait. Qui a fait le film mexicain. Le film au Mexique, c'est vraiment un film mexicain aussi. Et il y a cette façon de complètement adhérer complètement à un lieu, à être du lieu. Et moi j'arrive avec une seule idée, ça veut dire j'arrive avec l'idée de faire un film, de faire une mise en scène. Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse angoisser par l'idée de créer quelque chose. Ça veut dire, j'arrive à Naples et je fais une recherche à la Bibliothèque nationale sur les événements des années 60, 50. Et je me laisse complètement envahir par l'impression du lieu. Mais parce que je vends toujours la même idée, je veux dire.
de la passion. Toujours. C'est toujours la même chose comme la fin du film napolitain. C'est la même chose comme la fin de la mort de Maria Maleva avec Antonio, le conflictoire. Ça nourrisse pratiquement la putain là qui est en train de mourir et Ayuta. C'est toujours la même idée. C'est toujours une question, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Mais de toute façon, je trouve que ça c'est très dommage dans le cinéma, que les gens, quand ils font quelque chose au théâtre également, c'est une grande différence de monter une mise en scène à Avignon, de la monter à Cassel, ou à Berlin, ou à Rome, ou à Florence. Il faut être complètement ouvert, hein? Et donc ça va être la même pièce, avec le même metteur en scène, même avec les mêmes acteurs, ça va être une chose différente, si quelqu'un est honnête. Pour exemple, disons-nous, on n'est pas chez vous là, mais on aurait eu la force de vous faire sortir. Donc, dans un restaurant, le discours est complètement différent. Et notre comportement social aussi. C'est seulement ça qui fait la différence du film napolitain à un film dominique. Faire sortir de toute façon pour manger. Mais racontez-moi sur votre passion. Passion? Qui est-ce? C'est secret. Oh, mon secret. Moi, j'ai déjà dit Antonio. Je pense que c'est Daniel. Maintenant, à ce moment-là, je partais au Japon, je m'installais au Japon. Vraiment, j'ai 13 ans de vie. Je me déteste vivre en France. Alors, tout était prêt. Je partais. Et ce garçon, je l'avais rencontré déjà depuis un an. Il m'intéressait un peu, mais il sortait. Puis un jour, je me suis trouvé chez moi avec la passion de la vision. J'ai fermé la liste. C'est beau. J'ai 18 ans que j'ai fait ça. C'est beau. Oui, c'est comme ça. Voilà. Mais ce n'était pas du tout fou, c'était pas tombé amoureux, parce que je connaissais déjà. Moi, c'était la passion. Qui implique bien sûr, passivité, ça, de l'existence. Et puis en même temps, le principe d'activité, tout ce que j'ai fait. C'est vrai, c'est bon. Toujours comme ça. J'ai envie de revoir Antonio. C'est normal, tu vois. C'est celui qui joue dans chez Marc, non? Oui. Antonio, il a joué dans le film Napolitain et dans le film qu'on avait fait en Sicile, Palermo, pour le voir. Je sais pas, ça c'est une passion aussi, parce qu'on peut pas la définir strictement sexuelle. Même si elle est aussi sexuelle, mais c'est un garçon comme ça, qui a ses amis et tout. Ça monte. Et c'est vraiment quelqu'un qui est, je crois, est aussi une passion pour moi. Ce serait trop beau pour être vrai. Et toi, qu'est-ce que tu racontes là? Rien. Raconte tes aventures, passion. Voilà. Tu sens passion. J'en ai une qui s'est finie. Qui est-ce? Marina Kaufmann. C'est un nom. C'est quelqu'un que tu connais en plus, que tu as déjà rencontré. Et je ne sais pas ce qu'il te souvient, sans doute qu'il te souvient. Quel sexe? Et donc? Et qui assistait presque tous les jours aux répétitions de Salomé à Nancy. Ça,
À l'époque, là, ça a été très difficile pour toi de te souvenir. Et après, je n'aurais jamais revu. Tu l'avais vu une fois avec moi, très très rapidement. Elle assistait parce que, pour toi, parce qu'elle était très amoureuse de Christine Courtois. Elle. C'est pour ça qu'elle venait tous les jours, tous les jours. Et toi, pourquoi tu es amoureuse? Pourquoi tu es passionné par elle? Peut-être son innocence, je ne sais pas. Lui être pété, c'est plus intéressant. Non, c'est vrai, je dois rire de ça parce que moi j'ai toujours dit, comme enfant déjà, pas comme enfant, mais à l'âge de 17 ans, je dis, pour moi c'est davantage d'être homosexuel parce que c'est quand même exquis, c'est plus intéressant. Oui, mais je crois qu'il y a, non, on a une preuve objective, oui, que l'homosexualité est plus intéressante que l'hétérosexualité. Preuve objective, c'est comme pour les Russes, les Allemands de l'Est et les Allemands de l'Est. C'est-à-dire qu'on connaît un nombre considérable d'hétérosexuels qui voudraient beaucoup devenir homosexuels, et on connaît très peu d'homosexuels qui aient réellement envie de devenir hétérosexuels. C'est comme pour passer d'Allemagne de l'Est en Allemagne de l'Ouest. Vous voyez pas? Non, mais ça, évidemment, c'est une preuve imparable. C'est une ça, preuve imparable. Non, c'est complètement... C'est absolument vrai, d'ailleurs. Oui, absolument. C'est vrai. Non, parce que bon, vous êtes jeune encore, mais vous ne finirez pas votre vie sans avoir, à un moment donné, fortement envie d'un rapport homosexuel. Non, c'est... Oui, c'est déjà passé. Et ça recommencera. Alors que, on pourra aimer une femme, pour avoir un rapport fort avec une femme, très, très intense, plus même qu'avec des garçons, on n'aura jamais envie de devenir hétérosexuel. Jamais. Jamais. C'est très étrange, c'est vrai. Très intéressant. Ouais, oui. Mais une amie à moi que j'aime beaucoup, beaucoup, qui était vraiment... C'est quelqu'un qui est très très près de moi depuis 13 ans, Rosa von Braunheim, qui a fait beaucoup de films avec ce sujet. Oui, aussi, mais il a fait aussi des films... Il est très militant homosexuel, donc... Et lui, il m'a toujours dit, mais toi, tu es tellement lâche, tellement insupportable, parce que toi, tu... Parce que moi, je me suis refusé de faire une campagne de presse avec une revue comme ça, en Allemagne, Der Stern, où donc tout le monde se devait déclarer homosexuel. Moi, j'ai dit à lui, vous pourriez mettre mon nom dans le journal, ça m'est complètement wurscht. Mais je peux, oui, ça m'est complètement égal, mais je peux pas écrire quelque chose avec ce sujet, parce que moi, s'il y a une chose, donc j'ai jamais souffert, c'est mon homosexualité. Je peux pas faire une grande chose de... Je peux pas participer à un mouvement de solidarité avec les homosexuels répressés. Parce que moi, vraiment, s'il y a une chose dans ma vie, donc j'ai jamais souffert, c'est mon homosexualité. J'ai toujours trouvé très fort comme éclat. Parce que comme j'étais bien aimé par les femmes, donc, ils étaient encore plus attentifs parce que j'étais homosexuel, évidemment. Toujours. Donc, c'était vraiment jamais un problème, ni là, ni là, ni là. Hors des problèmes qu'on a avec toutes les patients homosexuels. C'est sûr que j'avais pensé de mettre ça comme titre pour Madame ou pour le ventre. Non, ça, je savais absolument pas. Et finalement, on m'avait dit, juste le titre en Allemagne, ils ont raison aussi, ils ont dit qui comme public peut faire la référence avec un livre, je veux dire, c'est un bon demi-phrase. On ne peut pas faire comprendre la raison. C'est peut-être possible pour un film plus marginal. Chaque réplique est trop marginale déjà, parce qu'en France c'était l'échec total, je crois. Non, mais ça n'a rien à voir avec le film, comme l'échec du film. Hein. Ça a à voir avec la façon dont on a sorti le film. On assassine un film dès le départ si on le lance très mal. Et là, la façon dont dont la promotion s'est faite, je savais, le jour où le film est sorti, que ça ne marcherait pas. Ça
quoi, c'est vrai que je sais pas. Le film est, devait faire, devait très bien marcher. Et vraiment, jusqu'à l'affiche qui était, je ne donnais absolument à personne envie de voir le film. L'affiche était complètement ridicule. C'est marrant, moi, je ne suis même pas aperçu qu'il... Alors qu'il y a eu un film qui a le grand-père Berlin et qui intéressait plein de gens. Tu peux le faire, comme ça je fais une chanson de toi. Je peux le faire. Voilà. Mais... Non, de toute façon, ça c'était pas grave. Pour moi, c'est seulement dommage si on fait sortir les choses. C'est stupide que quand il y a une possibilité d'avoir. Quand il y a un public qui existe, que ce public n'ait pas l'information que le film existe. C'est ça qui est toujours le plus décevant. Bon, il n'y a rien eu. C'était sorti à la soubette, comme ça, sur un bon objet, faire un travail, tout ça, et là, ça aurait attiré dans la vie. Vous savez qu'un film underground ne va pas battre, on va faire battre les montagnes pour faire le public. Et là, c'est vraiment le film, justement, sur lequel on peut faire une production. Il faudrait intéresser le public. C'est seulement que je sais que c'était de toute façon, c'était raté de nous passer le film. Vous connaissez Daniel et suivant? Eh bien, oh, ça fait, je sais pas, 4 ans. Et à un moment donné, là, je le voyais beaucoup. Ben, c'est une journée entière. Vous attachez votre existence. Et puis... Génial. Et puis, il a cessé de venir un jour. Je ne sais jamais pourquoi. Ah, j'espère qu'il n'est pas fâché. Je ne sais pas, pas du tout. C'est comme toujours dans ces cas-là, on ne s'aperçoit pas que quelqu'un ne vient plus. C'est simplement au bout de 6 mois, c'est ouais, parce que... Mais là, il y a une chose, il est beaucoup parti, hein. Je sais pas, vous pouvez lui demander, peut-être par téléphone. Vous pouvez lui demander tout de suite. Oh, bah, c'est pas... Vous verrez. Parce que là, au téléphone, il ne crée pas une réponse franche. Mais non, oui. Peut-être s'ennuyer, peut-être... Ça va peut-être amuser quelquefois, pour une association. Tu me dis que tu es au dos, tu dois, mais... Est-ce que vous avez du papier, là? Oui. Il y a du papier de cigarette? Oui. Ah ben oui, là, comptez. Il n'y en a plus, là. Il n'y en a plus? Quelle horreur. Non, non, il n'y en a plus. Non, c'est... Ah, non, c'est pas non. Ah, ben c'est non, si, c'est pas vrai. Vous aimez beaucoup Ingrid? Ben, je la connais très peu. Je l'ai connue par Daniel. Alors, elle est venue peut-être 2 fois ici, pas plus. Elle est venue 1 fois avec Fassbinder. Dans un état épouvantable. Pourquoi? Voilà, mais je l'ai vu 2 fois alors que Daniel Schmitt. Peut-être qu'une dernière a vu tous les fois. Oui, je pense. C'est catastrophique. C'est pas grave. Et comment vous faites cette récolte avec la lumière artificielle seulement avec, avec le soleil de Paris seulement. Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça avec l'intérieur, avec la lumière, c'est possible. Intérêt pour le cinéma date du cinéma allemand. Du cinéma allemand, ça c'est intéressant. C'est absolu. Et j'avais une petite appréhension là l'autre jour, quand j'ai revu Brandt. Je me reste copie. Ah, on va copier. La première fois, c'est bon. Oui, c'est toujours un peu les copies qui fait sortir Frédéric Hidal. Ça, c'est Pascal Demand. Pascal Demand, maintenant. Mais avant, c'est plus cher. Oui, en tout cas, c'est plus cher. Pour des films comme ça, il faut faire un vrai.
Je crois qu'ils ont une autre capture. Thème, on va les passer tellement, tellement histoire de faire, de présenter les faits qui sont déjà dites ici, quand vous pouvez sortir de ça. Moi, il y a une chose, qui me surprend à chaque fois, c'est que je vois le film dans cette qualité, et la fascination, enfin, la force du film demeure malgré cette écoute. Je vais enregistrer le silence. Je ne sais pas s'il est très très bien fermé. Le dernier, vous avez rencontré tout si. Très bon. Non, attendez, vous l'avez pris de votre côté. Ah oui, oui, excuse-moi. Par hasard, cela est passé parce qu'il a dit des mots sur votre corps. Pas de nom sur la porte. Parce que. Vous savez que je connais Daniel depuis 68, 67. Il était d'ailleurs par assistant, un peu dommage de voir Daniel parler par Internet. Oui, j'ai vu ça. Il n'est pas crédité au générique. Non. Écoute. Daniel, je vais il ne dit à personne qu'il a été ton assistant, seulement aux amis. Comment il ne le dit pas dit... Non, mais effectivement, il était assistant pour le film, seulement si tu te combats une autre, qui va passer hier à la télévision allemande. Jamais. Et la mort de Marianne arrive un petit peu. Je ne savais pas que vous aviez travaillé pour... C'est marqué cinématographe. Voilà votre carte. Qu'est-ce que j'ai fait pour le cinématographe ? Je ne sais pas, c'est peut-être un texte que vous aviez écrit ailleurs et qui a été reproduit au cinématographe. C'était pas ce truc sur le rétro ? Ah non, dans les cahiers, vous m'avez dit non, là c'était dans les cahiers, le rétro. Si c'est une interview, vous n'aviez pas fait le truc, c'était pas ça. On va peut-être se taire. Mais ils n'ont pas beaucoup de temps aussi. Ah non, non, mais moi je suis le seul qui n'est pas angoissé. Je suis le seul qui n'est pas angoissé. Vous extraire quelque chose. Je ne sais pas comment on peut reproduire du silence dans un livre, peut-être des pages blanches. Comme ça, des lire le texte là, tous les deux, on a comme ça. Je peux le faire. Mais... Si Michel Foucault accepte d'entendre un texte qu'il a écrit il y a 7 ans, ça c'est intéressant. Ça dépend donc de l'interprétation. Alors là, là j'avoue que je suis pas non, mais écoutez, vous avez certainement une idée de monter. Ça manigancé. Je l'avais trouvé très intéressant aussi. Parce que... C'est sur le sadomasochisme, le sadisme, tout ça, c'est mon truc. Je suis très militant, donc je ne peux pas
donner le résumé. C'est la relation humaine, c'est la relation humaine. Je peux le lire, enfin moi je le lirai mal, c'est un problème. J'espère qu'il n'a pas été tronqué. C'est un autre texte, mais je suis sûr que c'est le vôtre. De toute façon, c'était pas moi. Je vois pas quelle personne aurait été capable de faire ça. Alors quand j'ai revu la performance, Meadow Springs, c'est ça. Springs, c'est le printemps ou c'est les sources? Les sources. Obsession, oui, les passions, les obsessions. Vous vous direz obsession. Vous voulez dire comment obsession? Dans Willow Springs, pour moi, c'était que tous les trois, les quatre personnages, ils étaient obsédés par une idée de dépendance, l'une à l'autre, sans savoir pourquoi. La passion, pour moi, je sais toujours pourquoi, non? La passion, c'est une chose motivée. L'obsession, c'est une chose. Donc la relation installée entre par exemple Magdalena dans Willow Springs et Hila, donc qui fait la servante, la femme de ménage là. Hila, elle sait pas du tout pourquoi elle fait exactement ça que l'autre veut. Donc c'est une obsession. Ah, je crois que là, au mot près, on s'entend. Par passion, j'entends encore quelque chose, tout à fait. On ne peut pas dire que ces femmes s'aiment entre elles. Mm-hmm. Non. On ne peut pas dire que la matière est différente et de l'âme. Je dis passion. Mais c'est quoi l'amour là? Non, mais parce que vous avez dit entre passion et amour. Je vais essayer de définir passion. Puis, passion, c'est un état. C'est un état. C'est quelque chose qui vous donne dessus. Qui s'empare de vous. Qui vous tient par les deux épaules. Qui vient, qui n'a pas de cause, bien sûr, qui n'a pas d'origine. Je ne sais pas d'où ça. Passion, c'est venu comme ça et c'est un état. Deuxièmement, c'est un état à la fois qui est toujours mobile, mais qui ne va pas vers un point de vue. Il n'y a pas un but. Il y a des moments forts, il y a des moments faibles. Il y a des moments où ça chauffe, des moments où ça se passe. Et on s'est porté à l'incandescence, du moment où ça coule de façon. Ça aussi, ça flotte, ça balance, ça va d'un bout à l'autre, mais ça n'a pas de polarité. Ça ne cherche pas. À la limite, ça cherche à la fois à se maintenir et puis à disparaître.
patient, ça se donne toutes les conditions pour continuer. Et puis en même temps, c'est sûr. De toute façon, ça se fait un peu ça. Bon, il y a également ceci dans la passion, c'est que il y a une qualité de souffrance-plaisir qui est tout à fait différente de ce qu'on peut trouver dans le disjon, dans son appel de sadisme ou masochisme. Il n'y a aucune relation sadique ou masochiste entre ces femmes. Mais il y a un état de souffrance-plaisir complètement indissociable. Ce ne sont pas deux qualités qui se mêlent, c'est vraiment la seule qualité. C'est une qualité de très très grande souffrance de la part de chacun. On ne peut pas dire que l'une fait souffrir l'autre. C'est trois types de souffrance permanente et qui sont en même temps justement voulues. Car il n'y a aucune nécessité qu'ils soient là, ensemble, qu'ils soient là entre nous. Parce qu'il y a des points tout à fait différents. Puisque là, ils se sont croisés. Ils se sont croisés et ils ont été pris. Tellement enchaînés dans un état de souffrance et par rapport aux autres. Qui les lit, donc elle n'arrive pas à se détacher, il ne faut pourtant pas le cesser. Bon, alors tout ça, moi je crois que c'est différent d'amour. L'amour, on aime, il y a quelqu'un qui est en quelque sorte titulaire de cet amour, alors que dans la passion, il passe, le circule, il embrasse tout, il peine, il somme les objets, il rapporte aux femmes. L'amour, on est titulaire, et puis il cherche à. Il cherche quelque chose, il a un objectif, et finalement il y a un terme, sa solution, sa vie, sa force, sa force, sa force, sa force, tout ça c'est vrai, c'est une passion. Et donc, le sentiment plus actif, c'est quoi, de la passion ou l'amour? Parce que si on fait une définition de l'amour en cherchant l'objet de désir, je veux dire, l'amour est complètement indépendant de partenaire. C'est une tragédie dans une personne, ou quoi? L'amour? Oui. Ah oui! Donc ça porte une valeur sociale en visible. Oui, alors que dans la passion, je dirais que là, c'est vraiment un état qui est mixte entre les différents partenaires. Oui. Et donc l'amour, c'est un état de grâce, un état d'éloignement ou de toute façon. Donc parce que je parle de ça parce que j'ai eu une discussion avec Ingrid, parce que toujours les souffrances amoureuses et tout et tout et tout. Et Ingrid, elle avait dit que finalement on réalise que c'est vraiment complètement moche parce que ça regarde pas du tout le partenaire, rien, ce sont des alchimies. L'amour, oui, absolument. Alors, on peut parfaitement aimer sans que l'autre aime, c'est une affaire de solitude, et c'est pour ça en un sens que l'amour est toujours plein de sollicitations, c'est ça sa faiblesse, c'est qu'il demande toujours quelque chose à l'autre. Donc, la passion, alors que l'état de passion entre deux personnes, ou entre trois personnes, c'est quelque chose qui, par quoi il communique intensément. Ça veut dire donc c'est une force communicative, la passion. Tandis que l'amour, c'est un état complètement isolé. Isolé, oui. Et c'est terrible, non? Moi, j'ai toujours eu l'illusion que l'amour pourrait porter... Parce que vous aimez, c'est un fraîcheur. Non, pas du tout. Non, mais c'est tellement déprimant, non, comme idée. L'amour, c'est rien qu'une création autistique dans la tête. Non, mais si justement l'amour peut arriver à devenir passion, c'est-à-dire cette espèce d'état. Et donc à la souffrance, et l'éclat dans la souffrance. Bien sûr. Il n'y a pas d'autre chemin à prendre. On souffre l'un par l'autre, l'un à cause de l'autre, c'est un état de souffrance mutuelle et réciproque. Ah oui, si ça arrive, c'est déjà mieux. Et véritablement la communication qui nous ouvre peut-être à l'autre. Mais si on... Et il me semble que dans ces femmes que
Seb. C'est ça qui se passe. Et tes visages sont inversés. J'ai eu peur, je vais te parler de désir. C'est pas le désir qui met ses peurs. Parce que ses peurs sont dans un mode passion. Et vert, morcelé, défait, se transforme. C'est étrange, quelqu'un m'avait parlé de Willow Springs. Ce sont tous des très vieux films que j'avais fait, ça fait 10 ans. Donc, les films que j'avais fait, là, toi tu l'as vu, là, donc, Dark et Dior, vous connaissez. Mais sans doute, c'est toujours un thème central dans mon travail, n'importe de quelle façon, théâtre, film, aussi écriture, de temps en temps. Mais je veux dire, pour moi, c'est très, très, très intéressant. Quelqu'un m'a dit que Willow Springs porte une ressemblance avec le malentendu de Camus. Oui. Oui, ça. Moi, j'avais cru même que c'était c'est cette vieille. En réalité, c'est pas tellement Camus, c'est cette vieille histoire de la Berge Rouge. Ah. Selon ça se trouve dans beaucoup de récits. Camus l'a utilisé, l'idée de l'auberge tenue par des femmes. Il faut qu'elle soit tenue par des femmes, pas de femmes seules, et où des voyageurs viennent à passer. Moi, je ne savais pas, j'ai vu le Camus après. Vous ne connaissez pas cette histoire? Non. C'est une histoire qui trouve plusieurs exemplaires dans la littérature européenne. Mais là, Camus s'est servi. Ah, ça se fait bien ton histoire. L'histoire, c'est deux choses que moi je trouve intéressantes. Donc, quand quelqu'un m'avait en France, d'ailleurs, ça peut faire 5 ans ou 6 ans, quand j'avais présenté les films en France, le Bellows Springs, quelqu'un m'avait porté le malentendu de Camus a dit donc c'est une histoire. Et moi, je trouvais quand même, quand j'avais lu finalement donc le texte de Camus, c'était la relation entre mère et fils la plus importante dans le texte de Camus. Donc, parce que la tragédie chez Camus, c'est que le fils revient tant souhaité, parce que de toute façon, je me souviens bien, l'auberge était tenue par la mère et par la sœur, surtout pour attendre la rentrée du fils, voilà. Donc le fils, tu connais l'histoire, le fils revient et la mère et la sœur assassinent le fils, respectivement le frère, parce qu'il ne reconnaît pas. C'est la manque de reconnaissance. Mais ça c'est... Donc, et l'autre chose, le film était créé à cause de Christina Kaufmann, parce que Christina Kaufmann avait fait avec moi une mise en scène d'une pièce que j'aime beaucoup, beaucoup, comme j'aime beaucoup l'auteur Lessing, Emilia Galotti. Et Christina venait de jouer dans ma mise en scène. Un jour, Tony Curtis, donc son mari, ex-mari, est arrivé de l'Amérique. Il a pris les deux enfants que Christina avait avec elle pendant 5 ans. On n'avait pas l'argent pour se battre correctement contre ce père complètement idiot. Et donc, j'avais proposé très petit budget, le film à la télévision allemande. Ça s'appelait La mort de Marilyn Monroe. C'était prévu pour être tourné dans un studio avec des documents de Marilyn Monroe. Rien à foutre avec ça. Donc je suis parti avec Christina, Magdalena et Hila en Amérique parce que j'avais d'abord l'idée d'essayer avec Christina de récupérer les deux enfants, Tony Curtis. Et en plus, c'était la première fois que j'étais à Los Angeles, et là en Californie. Et l'idée de faire cette histoire m'est venue vraiment pendant le contact avec les comptables, avec les avocats, voyant aussi les paysages et tout. Donc j'ai eu cette idée de 3 femmes au désert. Et c'est très étrange d'être... Peut-être on m'avait dit, autrement on m'avait dit en Allemagne que le film... des terreurs et des horreurs homosexuelles, je ne sais pas. De toute façon, l'histoire, elle est venue en extrait pendant les recherches pour récupérer les enfants de Christina Kaufmann. Et finalement, on était complètement dans la même situation comme dans le film, parce qu'il y a un très petit motel dans un endroit qui se trouve à 10 km de Los Springs. Rosamond dans le Mojave Desert, et l'autre situation était complètement enfermée.
Complètement. Et Magdalena est un personnage tellement passionné. Je comprends votre chose que vous dites sur la passion et sur l'amour. Donc la passion, c'est une force positive ou négative, mais c'est une force communicative. Absolument. Voilà, je trouve que c'est complètement. Et l'amour, c'est une... idée. Non, c'est une chose qui est indépendante des autres. Oui. Et donc, c'est comme chez Camus, on est jeté dans sa situation, donc la passion. Mais aveugle, non, on est aveugle. Non, mais on n'est pas aveugle. Simplement, dans ces situations de passion, on est totalement plus soi-même. Ça n'a plus de sens, en fait, d'être soi-même. Si vous voulez, on va en effet des choses autrement. Et vous avez une tendance pour la passion ou pour l'amour? Je crois pour la passion. Je crois de tous. Tous. Oui, mais... Donc l'éternel conflit, c'est absolument, c'est tellement, parce que c'était toujours un sujet de mes, surtout de mes pièces de théâtre, et dans le Lessing aussi, dans Emilia Galotti, c'est le même conflit. Mais la patience, donc c'est une force perdue, je veux dire, c'est une force qui doit se perdre tout de suite, parce que c'est jamais réciproque, c'est jamais tenu, c'est toujours la souffrance, c'est toujours le nihilisme total à la fin, non? C'est comme la vie et la mort. Une sorte d'état instable sans raison d'être qui se poursuit pour des raisons obscures, peut-être par inertie, peut-être par force. Mais est-ce que vous croyez que je fais comme Paris Match maintenant? Parce que ça, je l'ai mis dans ma tête quand j'étais très petit. Un étudiant de philosophie à Heidelberg était mon ami, moi j'avais 16 ans, lui peut-être 23, et donc il était extrêmement enthousiasmé de la philosophie de Kant. Donc il m'a raconté jour et nuit sur Kant, et il m'a expliqué la philosophie de Kant. Finalement, je lui demandais, mais est-ce que tu crois vraiment que peut-être cette philosophie de Kant a été créée aussi parce que lui, entre amour et passion et des possibilités vitales qu'il a eues dans sa vie, une construction abstraite comme ça peut bien se mettre comme une Käseglocke, c'est quoi? Vous voyez la chose qu'on met sur le fromage, sur tous les problèmes. Donc on a une construction comme une tente de cirque, comme ça. Mais dedans, toujours, c'est le même chaos, seulement que la construction littéraire, philosophique, fait comme le ciel sur la misère. Non, pas du tout. Je dis, comment bah, les auteurs que je connais, ils sont tous suicidaires, comme Kleist, ou que j'aime beaucoup Hölderlin. Je suis vraiment Hölderlin, pour moi, c'est quelqu'un que je crois comprendre, mais hors le contexte littéraire. Mais donc, je dis, les gens comme ça, ils ont vécu la littérature. Il y a Kant qui a écrit la littérature, je sais pas. Donc, de toute façon, je crois il n'y a pas assez de temps à disposer. Pas assez de temps disponible dans la vie pour faire les deux. Non? On ne peut pas être cinéaste parfait et passionnant. Donc moi, je suis décidé pour la passion. Jamais passionné. 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 Non, tu es souvent passionnant. Non, je veux dire... Non, pour moi, par exemple... Depuis toujours, depuis que je suis né, je sais que je dois travailler. Non parce qu'on m'a dit il faut que tu travailles, parce que j'étais très anarchique comme enfant, insupportable. Non, mais parce que je suis, comme avec tellement peu de possibilités de communication vitale dans la vie, il faut travailler. Donc le début du travail, c'est toujours pour moi qu'on comprend qu'il faut créer. Même ça, il faut faire ça. Il faut créer. Il faut se donner... Pour se reprendre la vie. Tandis qu'il y a des gens qui. Comme les putains, je trouve ça complètement créatif. J'ai connu ici une putain qui était incroyable, qui a tenu une boîte de bordel, qui était créatif jusqu'au bout, qui était une fois par an en prison,
mais qui a eu des idées et qui a eu un comportement social, artistique vraiment. Artistique dans le sens créatif, avec les gens, avec la clientèle et tout. Donc ça, c'est toujours mon rêve. Donc, quand je vois la passion ne peut pas fonctionner, il faut mieux travailler que rien. Pas d'une façon très militante, parce que j'ai pas la force de... Non mais vous, dans votre vie, comment vous faites? Ça m'intéresse vraiment profondément quand je rencontre quelqu'un. Donc, vous êtes heureux, vous êtes, vous travaillez, vous gagnez assez d'argent, vous avez une vie très... sage. Mais quand vous parlez de la passion, vous n'avez pas de passion si forte que ça vous casse les... Ça vous casse les robinets, je veux dire. Je vis depuis 18 ans dans un état de passion. De passion vis-à-vis de quelqu'un, pour quelqu'un. C'est vrai ? Depuis 18 ans. Bon, ça a peut-être à un moment donné pris la passion d'amour. Mais en réalité, c'est un état de passion. Qui est établi entre nous deux. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais je crois que c'est exactement de la passion, d'état absolument permanent, qui n'a pas d'autre raison de durer que lui-même. Et par lequel je suis aimé, par lequel je suis aimé. Passe à travers moi, le seul point vraiment essentiel de l'existence. Il n'y a pas ça, on peut rien dire, parce que c'est la vérité. Je crois qu'il n'y a pas une chose au monde, rien, quoi que ce soit, qui m'arrêterait. Parce qu'il s'agit d'aller vous trouver, de lui parler, de faire quelque chose pour lui, de... rien d'autre. Les sentiers, c'est dramaticité passion. Mais c'est quoi la différence entre la passion, disons comme nous, pour une femme et pour un homme? C'est quoi la différence? Ça, je sais. Vous? Parce que moi, j'ai un sentiment, je sens d'une certaine façon qu'il y a une différence. Telle c'est l'illusion des homosexuels, mais peut-être qu'il y a vraiment une différence, mais cette différence, je n'ai jamais compris. Je ne savais pas. Moi non plus, c'est pas ça. Je vais pas dire, je crois que c'est une question très difficile. J'aurais tendance à dire que ces états de communication sans transparence, donc passion, on ne peut pas les savoir. Vraiment la question. De ce que c'est que le plaisir de l'autre, de ce que c'est que l'autre, de ce qui se passe chez l'autre, peut-être un problème absolument insinuant. Peut-être donc je fais les films comme Willow Springs parce que. La culpabilité. Pourquoi? Je veux dire parce que j'ai fait beaucoup de films et beaucoup de théâtre avec des femmes. Pratiquement. Cinéma. Alors pourquoi justement? Oui, je me demande là. Parce que comme moi, je vois la différence entre mes passions que j'ai pour quelqu'un comme Magdalena Montezuma, et vraiment une amitié très profonde, qui peut tenir jusqu'à la fin de mes jours, ou de nos jours, et entre la passion que je peux avoir pour quelqu'un comme Antonio, il y a une grande différence. Peut-être il y a, psychologiquement, je connais pas la psychologie, je suis complètement idiot avec ça. Peut-être psychologiquement, c'est vraiment, ou c'est l'angoisse. Pour les hommes, je ne sais pas, la culpabilité,
auprès de la femme et auprès de la femme et la, l'angoisse avec les hommes, je sais pas. Parce que quand même, la passion, on voit ça. C'est pour ça d'ailleurs aussi que j'ai beaucoup aimé à l'époque votre article, parce que on voit la passion qui est pas liée au sexe directement. Quand les bouches, les visages, Magdalena, les autres, Christina et les femmes. Et c'est quoi ma motivation pour moi est très, très étrange. Je ne peux pas la définir. Et à Prague, j'ai fait un film avec 30 femmes. Ça, c'était quelque chose. Entre autres, toutes les femmes avec lesquelles j'avais travaillé depuis 13 ans. En plus, une dizaine d'autres. Et là, vous ne pourriez pas dire pourquoi. Je ne peux pas dire pourquoi, non. Parce que c'est une des choses qui a été frappante dans le film. C'est que... Une historienne ne peut rien savoir de ce qui se passe entre ces femmes. Sur la nature des sentiments, tout ça. On ne voit absolument pas rien ici. Et en même temps, une sorte d'évidence. Oui, mais comment... De clarté. En soi-même, moi, je peux rien dire. Je peux dire quelque chose sur l'évidence de mes sentiments, mais je peux pas définir, je peux pas contrôler, ni définir, ni rien. Avec mes sentiments, c'est la même chose. Je peux pas dire la cause des sentiments. Pour exemple, pour prendre un exemple très facile, Antonio, que j'avais connu à l'occasion du tournage du film Napolitain, Reine de Napoli, et donc cette relation qui se tient comme ça, qui va comme ça, comme ça, comme ça, une fièvre. De toute façon, je me revois pratiquement toujours quand je lui revois dans un état de... quand je le revois, en français, dans votre cas, non. Non, pas votre cas. Italien. Quand je parle d'Antonio, je parle italien. De toute façon, donc de le revoir, ça me met toujours dans un état... si je veux ou pas, ce genre de passion dont vous avez parlé. Mais c'est quoi comme sentiment? Je ne parle pas de la psychologie. Psychologiquement, on peut trouver des explications chez Freud, je ne sais pas. Je ne vois pas tellement que la psychologie peut expliquer ça. Par exemple, un type obsédé également, l'amour entre femmes. L'amour entre femmes. L'amour entre femmes m'ennuie. Oui, m'ennuie parce que je crois que mon amour veut d'essayer de ce qui se passe, veut d'essayer de la lucidité. Alors que chez vous, il y a une sorte d'évidence immédiate, évidence qui ne dit pas ce qu'est ce sentiment, qui permet qu'on ne se pose même pas la question. Oui, c'est ça. Mais moi, je le ressens ça, comme c'est ça. C'est ça qui est vraiment fort. Oui, à moi aussi, mais c'est comme ça. Et intéressant, et la manière de sortir totalement du film psychologique. Non, parce que la psychologie, vous faites jouer à ce moment-là des corps, des visages, des rêves, vous les faites jouer. L'évidence passionnée, c'est l'évidence de chaleur, à laquelle il est absolument impossible de devenir un homme qui développe de la psychologie. Oui, mais ça, c'est ma qualité, le refus de la psychologie, mais je veux quand même savoir en moi-même comment. Non. Ça, c'est sans intérêt. C'est ça, oui. Mais la chose que montrait, c'est toujours aussi la différence entre un sentiment, disons-nous, que moi, que je peux avoir pour Antonio, disons-nous, et le sentiment, la passion que vous avez pour votre ami, comme vous avez dit, et le sentiment que je peux avoir pour quelqu'un, par exemple, comme pour Albert, tu vois, ou pour Magdalena. C'est... psychologiquement, on dit qu'il y a des théories psychologiques traditionnelles sur l'homosexualité, sur l'identité de l'homosexuel et tout ça et tout ça. Mais quand même, moi, je ne crois pas à la psychologie. Comment je dois expliquer mes sentiments différents? Mais alors, mais si vous voulez, je crois qu'il faut revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur la créativité. On est perdu dans sa vie, dans ce qu'on écrit, dans
film après, je me dis, parce que précisément, rien, on veut s'interroger sur la nature, l'identité de quelque chose. Alors ça, c'est lui. On tombe à ce moment-là dans la justification, dans le schéma. Alors que le problème du schéma dans la vie, c'est de créer, justement, quelque chose qui se passe entre les individus et auquel il faut faire en sorte qu'il soit impossible de donner un nom. Et faire en sorte qu'on ne puisse pas lui donner un nom, c'est donc à chaque instant essayer de lui donner une coloration, une forme, une intensité, etc., qui n'a jamais été, au moins par moi-même, déjà vécu et prouvé. Alors, c'est ça l'art de vivre. L'art de vivre, c'est de tuer la psychologie, de l'artifier systématiquement, et de créer avec soi-même et avec les autres des individualités, des êtres, des relations, des soit absolument innommé. Bon, si on ne peut pas arriver à faire ça dans sa vie, là, c'est coupé. Moi, je ne fais pas de différence entre les gens qui font de leur existence une œuvre et ceux qui font une œuvre dans leur existence. Partout, une existence peut être une œuvre parfaite et sublime. Ça, les Grecs le savaient, et nous, on a tout à fait que la science au point de vue de la naissance. Système d'angoisse psychologique, terreur psychologique. Le cinéma fonctionne avec les drames psychologiques, avec les films de terreur psychologique, toujours jouant avec les archétypes et tout. Je veux dire, je suis d'accord avec vous jusqu'au plus complet, mais moi je ressens trop en moi, j'ai pas peur de la mort, par exemple. C'est toujours très, comment on dirait, c'est très arrogant de le dire, mais c'est vrai. Je peux dire, ça fait 10 ans, j'avais peur de la mort, des angoisses, une définition de la vie. Là, pas du tout. Et c'est ça qui est toujours le sentiment anarchique et très, très dangereux pour la société telle qu'elle est. Parce que c'est tout ça c'est un jeu avec la terreur et avec la peur, avec l'angoisse, non, la société.